Aujourd'hui, une virée gourmande à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. On débute à Saint-Arsène, au Café Boutique Brioche et Babiole. Pour une excellente distillerie où on fait un excellent gin, Fils du Roi. Pour les meilleures fraises ainsi que les meilleurs fruits et légumes, c'est à la ferme Lebel. Pour les fans de bière, mais surtout de microbrasserie, il faut venir faire un tour au Fou Brassant, dans le cœur de Rivière-du-Loup. Belle adresse pour les amateurs de contemporains face au fleuve, l'hôtel L'Évêque. Vraiment, mais vraiment impressionné par le restaurant La Porte Arrière à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, la meilleure boulangerie, c'est au pain gamin. À Rivière-du-Loup, il faut aller faire un tour du côté de la boutique africaine chez Papa Noël. Allez voir l'ami Noël, il y a un sourire grand comme l'Afrique. J'y ai mangé une morue parfaitement apprêtée et un top brownie, le Saint-Patrice Resto. On s'entend-tu que c'est le truc le plus énervant? Oh, office for the day. Bureau avec vue, tu sais, vraiment, là, t'es au soleil avec ton ordi sur le bord du lac, sur le bord du fleuve. Ouh, ça travaille bien, tu sais, t'as plein de reflets, tu vois rien sur l'écran. Et que c'est énervant, les blogueurs qui font, ouh, office for the day. Pour surplomber le fleuve ainsi qu'une très bonne table, l'Auberge sur mer à Notre-Dame-du-Portage. Pour les amateurs d'alpaga, il faut venir faire un tour du côté de la ferme Fibre et Compagnie à Saint-Alexandre de Kamouraska. Pour les amateurs de miel, il faut venir faire un tour à l'hydromêlerie Saint-Paul-de-la-Croix. Pour les amateurs de viande, il faut venir au bœuf à la ferme.
Également à Saint-Alexandre de Kamouraska, une visite au vignoble Amouraska s'impose. Alors voilà ce qui met fin à cette petite virée épicurienne à Rivière-du-Loup et les environs, vraiment un beau coin du Québec.